Salut à tous, c'est Vinsky et aujourd'hui c'est une vidéo où je réponds à vos questions sur Snapchat. Et tu peux également remarquer que je suis dans un environnement différent. Où est-ce que Vinsky se trouve actuellement? Je suis au Portugal, à Porto exactement. J'ai passé quelques jours de vacances. Du coup, si tu ne suis pas sur Snap, c'est ici. Mais avant de commencer, je voulais vous faire une annonce. Cette semaine, à partir d'aujourd'hui, lundi à dimanche, je ferai une vidéo par jour. Lundi, mardi, jeudi, vendredi sera à 18h, le mercredi à 17h et samedi, dimanche à 15h. En tout cas, c'est ce que je prévois sur le papier. Allez, on va pas de temps. On nouveau Snap, j'ai un peu peur, je sais pas pourquoi j'ai une petite appréhension au fond de moi. Ça va, c'est quand tu poses phobie ou alors pense, s'il te plaît. Le vertige, c'est vrai que j'ai le vertige. Et quand même, quand je vois des gens qui font du saut à l'élastique, je me dis, mais les mecs, c'est des tarés quoi, c'est des fous. Oh, dans ce cas, t'as quel âge? Ça va pas mal, moi aussi. J'ai 26 ans. Je voulais te poser une question. Ça fait combien de temps que tu fais du foot? Et t'as fait du foot en club combien de temps? J'ai fait du foot en club de 13 à 18 ans environ. T'es très bon foot, donc pourquoi est-ce que tu faisais du foot dans ta jeunesse? Et si oui, pourquoi t'as arrêté? Même si vous me voyez technique, etc., sur le terrain, je suis un joueur plutôt classique. Oui, parfois je fais des dribbles plutôt cool et tout. Je suis réaliste que le niveau demandé par exemple en Ligue 1 ou quoi, c'est un niveau très très élevé. Non, pas le filtre chien, s'il te plaît. Pas le filtre chien. C'était pour savoir tes ressentis pour le match PSG-Barça. Voilà ce que tu penses. Alors, PSG-Barça, c'est une chose. L'autre chose, c'est ta veste. Elle est folle. Elle est folle, ta veste. PSG-Barça, on coupe court. On arrête. Est-ce que tu fais un autre métier à côté de YouTuber? On dirait pas les exercices d'anglais où tu dois répéter une phrase avec la bonne phonétique. Edward, élève prometteur dans les répétitions de phrases en langue étrangère. Il portera la France vers le bilinguisme. Non, je ne fais pas de métier à côté de youtubeur. Comment tu fais pour financer tous ces voyages? Parce que c'est très très cher. Donc voilà. C'est avec l'argent du travail, tout simplement. En fait, il y a plein de gens qui pourraient voyager. Mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils se disent, mais non, ça coûte cher d'aller au Portugal et tout. Ça coûte cher, c'est relatif. Il y a des mecs qui vont te mettre 300 euros dans une paire de Nike. 300 euros, je suis désolé, mais t'es pas loin de faire un petit voyage au Portugal et de faire bronzer la pilule. Bronzer la pilule. On dit dorer la pilule. Salut Vinsky, est-ce que tu fumes du shit? Je suis en train de fermer le voir et comment on dit se moquer d'eux en anglais, que je galère à trouver. Merci. Il faut tout faire dans cette communauté. To make fun of, voilà. Est-ce que tu vas faire des nouvelles séries ou des vidéos avec ta copine? Ça serait super. On demande des vidéos avec ma copine. Non. Quel est ton joueur préféré sur FIFA? Peace. Je vais dire que c'est... Allez, on dit un petit Perotti. Il me fait kiffer dans ma série 5 pâtures des fêtes. Salut Vinska, je voudrais savoir quand tu reprendras les défis techniques. Je ne sais pas. Ça viendra quand ça viendra. C'était pour savoir si tu pouvais venir à Mafpi faire une petite vidéo foot. Et pourquoi pas faire un match avec nous. Non, j'ai pas compris. C'est bon, t'es un réunionnais. Mafpi. Mafpi. Une ville. Est-ce que ta notoriété, elle est dure à gérer? Genre quand tu marches dans la rue et tout ça, on t'interpelle. Voilà. Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Ça c'est bien, c'est ce que j'attendais depuis le début. Ça fait super plaisir de rencontrer les abonnés bien sûr, etc. Mais par exemple, lorsque les abonnés viennent frapper chez toi, là on a un stade où ça devient plus vraiment très cool. Mais sinon je m'amuse bien. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? À part youtubeur et faire guignolos devant ta caméra, qu'est-ce que tu comptes faire? Les enfoirés. Penses-tu que pour la Coupe du Monde 2018, Benzema peut revenir en équipe de France? Moi perso, je pense qu'il peut. Moi je pense qu'il faut pas le reprendre parce qu'il y a énormément d'attaquants qui sont sur la touche et qui n'attendent qu'une chose, c'est jouer. J'ai pas quitté ma place, c'est comme ça. Moi je voulais juste savoir ce que t'avais fait comme études dans ta vie après ton bac. Voilà. Après mon bac, j'ai fait une école d'ingénieur. T'as bien entendu, ce mec est vraiment ingénieur. Mais avant ça, il a dû batailler. Élève calme et plutôt timide, il a toujours eu un rêve, c'est de devenir ingénieur. C'est pourquoi il s'est mis à travailler jour et nuit, sans compter ses heures. Il pouvait d'ailleurs compter sur ses amis studieux. Et comme on dit, le travail paye toujours. Est-ce que tu es partenaire avec Nike? Car on te voit souvent avec leur jogging et leurs crampons. Sinon,
Le FIFA c'est bien, le foot c'est mieux. Peace. Boom. Je ne suis pas sponsorisé par Nike, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup avec Nike, c'est vrai, je porte beaucoup de Nike, c'est ma marque préférée. Est-ce que ça t'a fait bizarre d'aller voir Cristiano Ronaldo lors Nike, je sais plus trop quoi. Oui, ça m'a fait bizarre de voir Cristiano Ronaldo en vrai. Moi, je vous laisser, ce qu'il faut que je retourne en France. C'était bien ce petit projet, bah, le pouce bleu comme d'habitude. Bah, déjà des gens venir, des commentaires classiques. Et Vinsky, j'ai pas Snapchat, j'ai pas le droit de l'avoir, mais je peux pas te poser des questions du coup. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Dans les commentaires, tu peux poser ta question et j'y répondrai. Alors, bien sûr, je peux pas répondre à toutes les questions. Mais les questions les plus cool, dont je n'aurais pas donné la réponse dans la vidéo, j'y réponds, je like, tout quoi, tout. Allez, à très vite. Peace and day.